Salut tout le monde, aujourd'hui on va regarder les différences entre un Romanian deadlift avec les orteils surélevés et les orteils pas surélevés et pourquoi que c'est pas quelque chose qu'on utilise chez Quantum et c'est ça, fait que je vais vous expliquer ça. Donc ce qui arrive c'est que ce qu'on se fait dire sur les orteils surélevés c'est qu'on va avoir un meilleur stretch au niveau des ischio-jambiers. Mécaniquement on va l'analyser, on va regarder quand il descend en arrière. Le recrutement qui va être fait c'est que le point le plus loin du centre de masse va être le plus recruté. Donc on voit une distance perpendiculaire entre l'axe et la ligne de force qui est ici. Donc, on voit qu'il y a une certaine distance. OK? Le remonte. Si on analyse sans les plates, on voit qu'il y a pas mal la même distance, même peut-être un peu plus. Donc là, ce que ça nous dit, c'est que si la hanche recule un petit peu plus loin ou pareil, si c'est plus loin, il y a un meilleur recrutement. Si c'est pareil, il y a le même recrutement. OK? Donc, ce qui arrive, c'est que côté mécanique, ça ne change pas grand-chose. Ce qui arrive... C'est bon, merci, PA. Ce qui arrive avec ça, c'est que quand un muscle est super étiré, on a un principe qui s'appelle l'inefficience passive. Donc, quand un muscle est en position très, très étirée, sa production de force, elle est moins grande. Donc, ce qui arrive, c'est que si tu mets tes orteils surélevés, ta sensation d'étirement va être plus grande. Un peu comme si j'essaie d'aller toucher mes mains au sol. Je vais avoir une sensation d'étirement très grande, mais ça ne va pas amener un meilleur développement musculaire. Donc, ce n'est pas parce que tu sens un étirement que ça va nécessairement aider à développer plus de muscles. Donc, c'est pour ça qu'au niveau des orteils surélevés, ça va réduire un peu la stabilité. Ça va réduire aussi le fait que ton muscle est dans une position plus étirée. Ça va réduire le fait de la production de force de ton muscle, donc moins de potentiel de créer de force, moins de potentiel d'hypertrophie. Donc, c'est pour ça que pour nous, c'est un non pour cet exercice-là.